Nous allons maintenant nous intéresser à la pièce repère 2. Il s'agit donc de la pièce couloir, celle qui va recevoir donc les éléments d'addition qui vont être mélangés au savon. Alors, il s'agit d'une pièce de tôle qui semble assez simple comme ça à premier abord, mais qui est un petit peu complexe à fabriquer ou à dessiner. On va voir comment procéder. On va déjà regarder le dessin de définition. Alors, on a différentes informations. On voit qu'il s'agit d'une pièce de tôlerie dont on a limité les dimensions extérieures et on voit que en extrusion, on aura un rayon de 147 qui va permettre de venir fixer et donc placer le couloir concentrique à la virole qui est le repère 1. D'accord? Alors, comment procéder? On va déjà ouvrir SolidWorks, créer une nouvelle pièce, donc nouvelle pièce. On va ensuite réfléchir un petit peu à la manière de procéder. Donc, quand on regarde cette tôle pliée, le pli se fait suivant cette longueur-là. Donc, les plis relevés existeront en vraie grandeur ici, dans cette position sensiblement. Donc, si on fait un petit calcul approximatif de l'angle qui est ici, on va avoir 30 degrés, l'angle complémentaire 60. Donc, on va avoir ici un angle de 60 degrés, on va dire, entre le plan horizontal et le plan d'esquisse qui va nous être utile. Donc, on va commencer par faire une chose simple. Donc, on va choisir le plan horizontal et on va commencer par créer une ligne de construction qui va nous définir le point d'articulation de notre plan. Voilà. Je fais échappement, je ferme cette esquisse. Je reviens dans mon espace de travail. Je vais ensuite créer un plan qui va être en réalité basé sur le plan horizontal et sur la ligne. Et je vais le décaler de 60 degrés. Voilà, comme ceci. Donc là, je l'ai décalé de 60 degrés et je valide. Donc là, ici, dans ce plan-là, on va venir tracer notre profil de pli. Je valide. Le plan étant sélectionné, on va créer une esquisse. L'outil, enfin, on voit que l'outil d'esquisse est ouvert. On se met normal à cette face. Et donc, notre profil va ressembler donc à ça, c'est-à-dire à un U. Alors, en vraie grandeur dans ce plan-là, on est bien d'accord. Donc pour cela, je vais créer donc une ligne. Je me place à l'horizontale. Je clique sur mon élément. Je fais échappement. Ensuite, je vais créer une ligne de construction qui va me définir mon plan de symétrie. Je me place bien par rapport à l'origine. Je fais échappement. Ensuite, je vais maintenir la touche CTRL enfoncée. Sélectionner ma ligne et mon plan de symétrie et je vais créer une symétrie. Ensuite, il va falloir que je cote la largeur de ma pièce finie. Ma pièce finie, elle fait donc 156 extérieurs. Je vais donc fermer le profil comme ceci avec un trait continu et je vais coter ce trait à 156. Voilà. Ensuite, je vais quitter ma fonction ou faire échappement. Je vais suffisamment allonger mes bords de profil qu'on va découper ensuite. Et je vais ensuite extruder. Je vais extruder ma pièce dans cette direction, dans les deux directions, de manière suffisamment importante pour pouvoir ensuite ne conserver que cette partie. Donc voilà comment je vais procéder. Je vais donc me mettre comme ceci pour que vous voyez mieux. Je vais donc faire une tôle pliée.
Voilà, la matière, il me la met bien à l'intérieur, ça pose pas de problème. Je vérifie bien l'épaisseur de mon couloir, c'est de l'épaisseur 3. Donc au niveau des paramètres de tôlerie, je mets bien épaisseur 3, rayon de pliage, épaisseur de la tôle, extrusion. Alors, je vais mettre une extrusion en plomb milieu. Pourquoi? Comme ça va me permettre d'étirer ma matière. Donc je l'étire suffisamment grand pour pouvoir facilement faire l'enlèvement de matière. Donc là, je ne mets pas de valeur. Hein. Si je vous en voulais une, là j'ai mis 1200, mais voilà, je valide. Donc voilà, j'ai ma tôle pliée. En réalité, si je me mets en vue de face, voilà, voilà la position de mon élément tel qu'il est représenté ici. Donc il va falloir que je le limite à la cote de 100 ici, en hauteur. Et donc, je vais donc m'appuyer sur le plan frontal, créer une esquisse. Par rapport à mon origine, je vais créer une ligne. Alors, je vais zoomer. Je vais donc m'appuyer sur l'origine. Je fais une ligne verticale, donc je regarde bien l'icône jaune, échappement. Je cote à 100, tel qu'indiqué sur le dessin de définition. Et ensuite, je vais repartir avec une cote, avec une ligne à l'extrémité et horizontale. Je peux même m'accrocher, si je le souhaite, au bord de ma pièce. Échappement. Donc là, j'ai un profil accroché ici qui fait 100. Alors, la valeur ici ne sera pas tout à fait exacte ou celle qui est sur le document qui est là, puisque j'ai calculé une valeur approchée de l'angle. Voilà. C'est pas très grave. Ici, on va maintenant réaliser une extrusion et on va donc enlever la matière. Donc la matière qu'on souhaite enlever, on va la faire, on va inverser le sens ici. Alors, hop. On va basculer côté de matière enlevée. Voilà. Et là, je vais valider. Voilà. Donc là, je conserve la partie de matière qui m'intéresse. Ok. Je peux cacher mon plan s'il me gêne. Et maintenant, on va juste compléter par le rayon de 147 en vue de dessus. On va extruder la matière. Donc, je me mets ici, vue de dessus. Voilà. Je peux m'appuyer sur le plan pas frontal, mais plan horizontal, hein, qui est parallèle à ce plan-là. Je peux aussi choisir la face qui est là, cette petite face-là, pour créer mon esquisse. Une fois que j'ai sélectionné mon plan horizontal, je crée une esquisse. Je vais ensuite créer une ligne de construction passant par l'origine. Donc je m'aligne bien sur mon origine, je traverse, je lâche quand c'est jaune. Voilà, échappement. Je fais ensuite un arc qui va s'accrocher sur cette ligne et qui va aller chercher l'extrémité de mon profil ici. Ensuite, je vais aller chercher le profil opposé. Voilà. Et je vais coter mon rayon de 147, qui correspond donc au diamètre extérieur, intérieur, pardon, de ma virole. Donc c'est 300 divisé par 2, ça fait 150, moins l'épaisseur 3. Donc on est à 147. Voilà. On va donc en faire un enlèvement de matière. Donc l'enlèvement de matière, on va basculer le côté. On enlève ce côté gauche, pardon. On enlève le côté droit, donc la flèche est du bon côté ici, et on va valider. Voilà. Donc là, mon profil est réalisé. Alors vous voyez, c'était pas si simple. Ensuite, pour voir l'état des pliés, donc je vais faire un clic droit, annuler, enfin, supprimer, pardon, annuler suppression, et on retrouve le profilé. Donc on peut aller chercher les cotes et les mesurer, coter tout ça, sans problème avec l'outil cotation dans SolidWorks. Pour revenir à l'état plié, je fais supprimer le pli
Et donc je vais enregistrer cette pièce qui s'appelle, on a dit, couloir, repère 2. Donc toujours dans le même dossier Malaxeur SolidWorks, on nomme cette pièce couloir. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.